Coucou, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une réponse générale aux questions que je reçois de temps en temps sur les produits que j'utilise pour mes cheveux, pour mon acné, pour me maquiller, etc. Donc, je vais commencer par les soins du visage, des cheveux, du corps, ensuite le maquillage, ensuite les accessoires et ensuite le voyage. Juste avant de commencer, je précise juste que je m'y connais pas du tout en maquillage, en soins, etc. Je vous fais juste un petit inventaire de tous les produits que j'utilise, mais c'est pas forcément un exemple à suivre. Et ce sera tous les produits que j'utilise en ce moment, donc en mars 2021. C'est amené à changer, même s'il y a quelques produits que je pense pas changer parce que je les adore et que je continue de les acheter sans cesse. Je commence par les soins du visage. Donc pour me nettoyer le visage, j'utilise ce produit de Mario Badescu, c'est le Acne Facial Cleanser. Je viens de commencer à l'utiliser, du coup j'ai pas encore vraiment d'avis dessus. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il m'agresse trop le visage et ça reste agréable à utiliser, ça mousse pas beaucoup. Donc, voilà, ça c'est un produit que j'utilise matin et soir, donc pendant ma douche, je me nettoie juste le visage avec et que je rince avec de l'eau. Ensuite, toujours pour le visage, j'utilise ce spray de Mario Badescu, donc c'est un spray avec de l'aloe vera, du concombre et du green tea. Pour l'instant j'aime bien l'odeur, je trouve que c'est très agréable et j'en mets un peu à n'importe quel moment de la journée. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais j'aime bien de temps en temps, quand j'ai envie d'un petit coup de fraîcheur, je me spray ça sur le visage, c'est très très agréable, c'est frais, ça sent bon, et j'ai l'impression que ça apporte un petit peu d'hydratation à ma peau, même si je peux pas en être sûre, enfin je sais pas trop. Ensuite, en ce moment, j'utilise ce micro sérum, c'est un échantillon que j'avais eu dans une pharmacie, je crois. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais j'aime bien le fait d'utiliser un sérum, en fait, je sais pas, ça me met un petit truc sur la peau avant d'aller dormir, je trouve que c'est agréable comme sensation. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose, en tout cas pas, enfin c'est trop petit pour tester le produit, quoi, je trouve. Et quand j'aurai fini cet échantillon de sérum, là, j'utiliserai celui-là que j'ai acheté, pareil, de Marion Badescu, que j'avais commandé sur Sephora il y a pas longtemps. Ensuite, ça c'est quelque chose que je teste depuis un moment, c'est la Drying Lotion de Marion Badescu, toujours. Je pense que vous connaissez, c'est un produit assez connu, enfin moi je l'ai trouvé sur YouTube, quoi, c'est, je crois que c'est Sandrea qui en avait parlé, mais il y a des années. Je trempe mon coton-tige à l'intérieur et je l'applique sur tous mes boutons un par un. Ça marche bien, ça sent bon, enfin j'aime bien l'odeur en tout cas. Ensuite, pour les lèvres, c'est pas vraiment un soin, enfin si, c'est un soin des lèvres. C'est un baume à lèvres Burt's Bees que j'utilise depuis que je suis au pair et je rachète que ça, enfin à chaque fois j'en rachète, là j'en ai au moins 5 d'avance. Ça sent bon, ça sent la menthe, c'est très fort, c'est très hydratant, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est très hydratant, je sais pas si ça l'est vraiment, mais c'est très agréable à utiliser en tout cas. Ensuite, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un soin, mais j'utilise du sérum Fi pour mes oreilles, enfin en tout cas quand je me faisais des piercings, j'utilisais ça pour mes oreilles pour les désinfecter et les nettoyer. Je vous le montre parce que c'est ce que j'utilise, mais je sais pas si ça peut vraiment vous servir. Maintenant je vais passer à la partie soins cheveux, donc là j'ai mon shampoing et mon après-shampoing, enfin mon masque pour les cheveux. Ça change tout le temps, c'est pas des produits que je rachète sans arrêt, je les avais déjà utilisés plein de fois quand j'étais plus jeune au lycée, etc. Mais j'aime bien changer de shampoing de temps en temps, comme ça change d'utilisation, quoi. Enfin, je sais pas, ça me fait un petit truc nouveau dans ma routine, quoi, j'aime bien. Ça dure super longtemps, je me lave pas souvent les cheveux, enfin si, en ce moment si, parce que j'aimerais bien faire partir ce bleu atroce là. Du coup, je me lave les cheveux un peu plus souvent maintenant, mais ça les laisse quand même doux, enfin ça les abîme pas, j'ai pas l'impression, voilà, j'ai pas grand chose à en dire, c'est chouette, c'est pas non plus incroyable. Toujours pour les cheveux, j'utilise de l'huile de ricin, donc j'ai pas vraiment de préférence par rapport au produit, c'est juste de l'huile de ricin, quoi. Ça, je l'avais commandé sur Amazon il y a quelques années, donc ça me dure super longtemps parce que je le fais pas souvent. C'est l'huile de ricin, je pense que vous savez comment ça s'utilise. Ça se met en racine pour les cheveux, pour les faire pousser plus vite et les rendre un peu plus brillants quand ils vont pousser plus tard. Je vous recommande pas cette marque en particulier, mais l'huile de ricin c'est très bon pour les cheveux. Voilà. Ensuite, depuis que je me teins un peu les cheveux, là on me pose beaucoup la question, mais j'utilise ça pour me teindre les cheveux et je le fais moi-même. Donc c'est un produit de la marque Manic Panic que j'avais vu sur la chaîne de Rose Lenners, donc Marion. Je sais pas si c'est des bons produits, mais en tout cas ça marche bien. Le rose il marche bien, il tient pas très longtemps, mais au moins il s'en va. Le mauve j'avais essayé aussi, mais il est parti direct des premiers shampoings, et le bleu ne part pas. Et ça commence à m'énerver parce que je sais pas quoi faire. En tout cas le rose était sympa parce que c'est parti au bout de 2-3 shampoings et c'était chouette, ça m'a fait plaisir le temps que ça a duré. Là le bleu, je ne peux plus. Ensuite, là je vais vous montrer mon petit secret. Un produit que j'aime depuis 2014, que je rachète sans arrêt. Au tout début de ma chaîne, j'en avais fait une vidéo complète pour vous expliquer l'utilisation du produit de A à Z. Je vous mettrai la vidéo en nom répertorié dans la barre d'infos de celle-là. Si vous voulez aller voir, ça date. C'était il y a très longtemps, mais c'est pour vous dire à quel point j'aime ce produit. C'est le sérum argan de Dolania. Oh là là, je l'utilise tout le temps pour tout. J'ai l'impression qu'il fait ce que je lui demande. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir les cheveux plus raides, il va les raidir. Si j'ai envie qu'ils soient plus beaux, enfin que les boucles soient plus belles, il va les boucler. Ça les hydrate, ça les rend doux, ça fait qu'ils sentent bon. J'adore ce produit et j'utilise tous les soirs avant de dormir, tous les matins quand je me réveille. Parfois je m'en fais des masses, j'en mets des grosses quantités que je mets dans mes cheveux, que je laisse reposer pendant plusieurs heures et ça les rend tout doux, tout brillant, ça sent bon. J'adore ce produit et je sais pas en quelle langue vous le dire, mais c'est vraiment le produit que je rachèterai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. S'il y en avait qu'un seul que vous deviez retenir de toute cette vidéo, ce serait celui-là. À La Réunion, j'achète ça à Saga. Je sais pas s'il y en a à Lyon ou s'il y en a en France, dans les Saga de France, quoi. Quand je vais à La Réunion en général, j'en prends plein. Et si jamais je suis à court au cours de l'année, je les commande sur Amazon. Normalement, il y en a. Je sais pas s'il y en a sur d'autres sites. J'ai pas vraiment cherché à savoir. Je mets ça après m'être lissé les cheveux. Je mets ça après être sortie de la douche, après avoir fait mon shampoing. J'utilise ça tout le temps, tous les jours quasiment.
tous les jours en fait. Je vais arrêter parce que je vais commencer à me répéter. Sérum Argent de Dolania, c'est vraiment le meilleur produit que je rachète sans arrêt. Maintenant, je vais passer aux soins du corps. Donc, comme gel douche, j'utilise le Dermorespect de Cadom. C'est le gel douche le plus grand que j'ai trouvé en grande surface. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et maintenant, je me pose plus la question. Ça fait 3 ans que je l'utilise. Dès que j'en ai plus, j'en rachète. Et c'est juste par rapport au format. Ça sent bon. J'ai pas l'impression que ça agresse la peau. Je trouve que c'est bien, mais c'est pas non plus un truc qui est très réfléchi. C'est ce que j'utilise, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande. Pareil pour la crème pour le corps. C'est un produit que j'utilise, mais c'est pas forcément celle que je vous recommande. C'est un lait pour le corps hydratant velours à l'aloe vera pour les peaux normales. C'est ma mère qui l'avait laissé quand elle était venue, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Du coup, je le termine. C'est pas, enfin, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à ce que je mettais sur mon corps, quoi. Pour l'instant, ça sent encore bon, donc j'ai pas l'impression que le produit soit passé. J'aime bien l'utiliser, ça laisse la peau toute douce et ça sent bon, c'est très agréable. Ensuite, un autre produit que je rachète, là, ça doit faire 2 ans que j'ai que ça comme déodorant. C'est le déodorant Schmidt, donc au charbon, un déodorant au charbon. J'ai découvert cette marque quand j'étais au pair aux États-Unis et je pensais qu'il y en avait que là-bas. Du coup, quand j'étais allée en 2019, quand j'étais retournée visiter ma famille, là, j'en avais ramené plein. Au bout d'un moment, j'étais à court et j'ai vu qu'il y en avait sur un site. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je m'en rappelle plus, mais cette année, j'en ai commandé 5 ou 6 sur un site, je sais plus lequel. Il me semble qu'il est naturel, en tout cas il agresse pas la peau, il est très agréable à utiliser, ça sent bon. Pareil que le sérum Argan d'Olania, c'est un truc que je rachète sans arrêt et je pense pas changer parce que je crois que j'ai trouvé celui qui me convenait parfaitement, quoi. Ensuite, c'est pas vraiment des soins, mais les parfums que j'utilise, c'est les brumes Victoria's Secret. Je trouve que c'est léger comme odeur, c'est agréable. Emilie, elle me disait qu'elle aimait pas, que ça sentait trop le chimique, mais j'ai pas l'impression, en tout cas moi je trouve pas. C'est pas si cher, ça doit être genre 20 € et puis il y a une grande quantité, c'est pas comme un parfum qui coûte plus cher. Après, c'est plus fort donc t'en mets peut-être moins, je sais pas. En tout cas, ça j'aime bien et c'est des trucs que je rachète tout le temps. Enfin, pas forcément la même odeur à chaque fois, mais cette marque en tout cas. Ensuite, le dernier soin pour le corps que j'ai, c'est une crème pour les mains L'Occitane. Je suis pas sûre que ce soit celle qui hydrate le mieux et qui soit la meilleure pour la peau et pour l'environnement, etc. Mais en tout cas, c'est... j'aime bien. Et j'utilise ce genre de crème depuis le lycée. J'aime beaucoup l'odeur, ça me rappelle des souvenirs. C'est pas très intéressant, mais c'est ce que j'utilise. Maintenant, je vais passer à la partie maquillage. Donc, j'utilise pas énormément de choses, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont là depuis longtemps. Du coup, je vais vous en parler. Voilà les 3 seuls pinceaux que j'ai. Donc, j'en ai un qui me sert à mettre du fard à paupières quand j'ai envie d'en mettre. Il y a celui-là qui me sert pour mes sourcils et celui-là qui me sert pour le fard à paupières mis sous l'œil. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'utilise depuis le collège et que j'ai jamais arrêté d'utiliser, même si j'ai l'impression que les gens le font plus. C'est le crayon noir. Celui-là, c'est un Clarins que j'ai acheté avant Noël, qui est vraiment trop bien d'ailleurs. De tous les crayons noirs que j'ai testé, c'est je pense mon préféré et je crois que j'ai trouvé le crayon noir parfait. Là on rentre dans un domaine que je connais encore moins que les soins, c'est le maquillage. Je crois que c'est un crayon sec que je mets sous mon œil. Déjà il bave pas, enfin c'est très rare, si, parfois j'en ai un peu dans le coin de l'œil, mais c'est ça n'arrive pas très souvent. J'ai commencé à l'utiliser en décembre et je l'ai taillé je crois que 2 fois depuis, alors que j'utilise tous les jours. Avant d'utiliser celui-là, j'utilisais les Black Up, donc des crayons un peu plus gras, mais ceux-là ils partaient trop vite, fallait tout le temps les tailler et je les finissais en quelques mois. Celui-là il bouge pas et pour le prix je trouve que ça vaut le coup, quoi. Au lieu de racheter 10 000 crayons Black Up, celui-là je l'achète une fois et j'ai l'impression qu'il va me durer 10 ans. Et de l'autre côté il y a un petit pinceau que j'ai pas trop utilisé, si peut-être pour essayer des trucs en dessous de mon œil, mais je m'en sers jamais. Voilà, il y a ça et c'était vendu avec un taille crayon et ça aussi je trouve que c'est trop pratique, vendre des crayons et des taille crayons. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Ensuite aussi en décembre j'avais acheté le Shape Tape de Tarte. Donc c'est en teinte, je sais pas où c'est, light, medium, mais c'est un peu trop foncé pour moi. Pour l'instant en tout cas, enfin quand je serai un peu plus bronzée ça ira mieux, mais là j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé par rapport à ma peau blanche, transparente là. J'ai acheté en minuscule parce que j'utilise jamais de concealer. J'en ai des fois, là j'en ai par exemple, je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit parce que c'est un peu trop foncé pour moi, je viens de le dire. Mais voilà, je n'en utilise quasiment jamais, je l'ai pris en tout petit et je pense que ça va me durer super longtemps. Ensuite j'utilise 2 palettes, enfin non, j'utilise une palette. J'utilise celle-là, c'est une palette MAC, comment ça s'appelle, Mischief Mix Marks. C'est ma mère qui me l'avait offerte il y a quelques années, donc ça doit faire 3 ans que j'ai cette palette. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'en ai pas beaucoup, du coup je l'utilise bien, les fards ils sont creusés. J'aime beaucoup cette palette parce que ça va bien avec mes yeux, j'ai l'impression que c'est des couleurs un peu chaudes qui vont bien aux yeux marrons on dirait. Je sais pas trop, je m'y connais pas, vous l'avez très certainement compris au fur et à mesure de cette vidéo. En ce moment j'utilise seulement le marron et de temps en temps un petit peu le rose, mais voilà c'est mes 2 seules couleurs du moment, j'utilise pas souvent. Voilà pour la palette MAC et j'en ai une, c'est la première palette que j'avais achetée, c'est la Naked Basics. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup utilisé le marron dont je me servait pour me faire les sourcils. Voilà mes 2 palettes que j'utilise. Celle-là j'utilise quasiment plus, celle-là j'utilise tous les jours encore pour mon fard à paupières pour les sourcils et de temps en temps quand j'ai envie de me maquiller les yeux, mais c'est très rare. Et pour finir avec le maquillage, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que j'utilise comme mascara. En ce moment j'utilise celui-là, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est le Classique Volume Express de Maybelline, mais je change tout le temps de mascara. Dès le jour finir j'en achète un autre pour tester. J'aime bien tester des différents trucs pour les mascaras. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé le mascara parfait, même si celui-là j'aime bien. Je sais pas si on voit bien mes cils là, mais j'ai l'impression qu'il marche bien, qu'il donne du volume, de la longueur et de la noirceur. Enfin voilà, celui-là est chouette. Celui-là j'aime bien franchement, et je préfère les mascaras de grande surface parce que pour le prix,
Enfin, je trouve que c'est un prix relativement bas par rapport à la qualité des produits, alors que même des Better Than Sales ou même des trucs de luxe genre Lancôme, Chanel, etc., j'en ai testé plein des mascaras, plein. Et je vois pas l'intérêt de mettre 30€ dans un mascara alors qu'on peut en avoir un à 9€ en grande surface, quoi. Mes préférés, c'est les Maybelline et j'aime aussi les CoverGirl, mais ceux-là, je crois qu'on les trouve que aux États-Unis. Ok, maintenant, je vais vous parler des accessoires que j'utilise pour la beauté. Je sais pas trop comment nommer cette catégorie, mais vous allez comprendre, de toute façon, c'est pas très compliqué. Pour les poils, j'utilise une pince à épiler Mariono, donc pour m'épiler les sourcils. Et pour me raser les jambes, les bras, etc., j'utilise un rasoir Vénus de Gillette. Ensuite, un truc que j'ai commencé à utiliser il y a pas longtemps, parce que je l'ai commandé il y a pas longtemps et que je l'ai reçu il y a pas longtemps, c'est une éponge Conjac. Je l'ai pas encore assez utilisée pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, ou si j'ai l'impression qu'il y a du changement sur mon visage. Et je mets du coup mon nettoyant pour le visage dessus le soir seulement, pas le matin. Enfin, je l'utilise pas matin et soir, j'utilise déjà que le soir et je pense que c'est pas très bon de l'utiliser trop. Emily m'a dit qu'il fallait pas que j'exfolie trop mon visage et j'ai l'impression que ça a une allure un peu exfoliante. Pour l'instant, j'aime bien, mais j'ai pas grand chose à en dire parce que ça fait trop peu de temps que je l'utilise. Mais en tout cas, c'est très agréable. Je sais pas si c'est un produit miraculeux pour l'acné, pour l'instant, ça l'est pas, mais je continue de l'utiliser parce que j'aime bien l'utilisation, quoi. Je trouve ça agréable. Ensuite, le seul truc que je fais à maison, c'est que j'utilise un truc comme ça. Donc celui-là, il est neuf. C'est, bah, je pense que vous connaissez, c'est genre un truc pour les ongles avec plusieurs couches et il y a plus. Comment j'explique ça? Très mal. Ça polie, ça fait briller, ça lime, ça polie deux fois. C'est juste un machin dont on utilise plusieurs couches pour se faire des beaux ongles. Et là, par exemple, il faudrait parce que j'ai les ongles éclatés. Bref, voilà, désolée, je peux pas vous expliquer plus que ça. Ensuite, je crois que ça peut rentrer dans la catégorie soin, mais je suis pas trop sûre que ce soit vraiment du soin. J'utilise une cup pour mes règles. Je vais pas vous la montrer parce que je sais qu'il y a des gens que ça dégoûte. J'utilise plus de serviettes, j'utilise plus de tampons. Ça doit faire 3 ans que j'utilise ça et c'est vraiment une économie d'argent et c'est meilleur pour l'environnement. Je crois que c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour le corps. J'aimerais bien essayer des culottes de règles un jour, mais j'ai pas encore trouvé la marque. Enfin, j'ai pas encore trouvé parce que si je cherche, je trouve. Mais il y a tellement de marques que je sais pas laquelle choisir et ça coûte un peu cher. Du coup, c'est un investissement et j'ai pas envie de me tromper, quoi. Si vous avez des culottes de règles à me conseiller, dites-moi. Mais pour l'instant, j'utilise ça et j'aime bien. J'ai appris à la manipuler relativement bien, du coup, ça me pose plus de problème. Ma cup, c'est de la marque Diva, c'est ce que j'avais acheté aux États-Unis. Je sais pas si c'est commercialisé en France, je crois que si. Mais de toute façon, il y en a plein de marques différentes et c'est juste le concept qui me plaît, pas forcément la marque. Maintenant, je vais passer aux accessoires pour les cheveux. Comme faire à lisser bouclé, j'utilise un GHD, je sais plus comment il s'appelle, mais ça, c'est vraiment la question qu'on pose le plus souvent. Avec le mascara, c'est qu'est-ce que j'utilise comme fer à lisser, fer à boucler. C'est un GHD, j'ai pas son nom, je sais pas comment il s'appelle, c'est genre un platine. Attends, c'est un GHD. Gold. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur fer à lisser du monde, mais en tout cas c'est pas le pire. J'avais essayé des Babyliss, c'est vraiment horrible, ça crame les cheveux. Celui-là il est très respectueux du cheveu. Par contre on peut pas régler la température, je crois que c'est pas top. Moi ça me dérange pas parce que je fais toujours la même chose avec mes cheveux. Là ça fait longtemps d'ailleurs que je me suis pas fait les cheveux bouclés un peu. Ensuite pour me brosser les cheveux, c'est un truc que je fais rarement, c'est quelque chose que je fais juste avant la douche pour me les démêler un petit peu, ou alors en sortant de la douche. Mais je me brosse jamais les cheveux parce que sinon je ressemble à Hagrid. C'est une brosse Primark qui est bien parce qu'elle est grande, mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à en dire. J'utilise tellement peu qu'elle tient bien dans le temps. Pareil, ça c'est une brosse Primark que j'utilise soit pour partir en voyage, soit pour me faire les cheveux colorés. Ensuite pour me lisser les cheveux, j'utilise une pince pour les retenir en haut et pour faire des trucs par couche, quoi. C'est pas très intéressant, c'est la seule pince que j'ai. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas d'où elle sort, je sais pas comment je l'ai eue, mais elle est là. Ensuite, pour me faire des petites coiffures, donc genre ça, là, quand je me mets mes cheveux en arrière ou quand je me fais des tresses qui s'arrêtent là, enfin juste avec une partie des cheveux, j'utilise ces élastiques là. Ça vient de Primark et ça fait je sais pas combien d'années que je les ai. Ensuite, les meilleurs élastiques du monde que je rachète sans arrêt. Là, évidemment, j'ai plus la marque, j'ai plus le nom du truc parce que je l'ai arraché. Mais en gros, c'est des élastiques sans bout, enfin il n'y a pas de petits bouts en fer et c'est genre un morceau de tissu. Et du coup, bah, ça fait pas de traces dans les cheveux, ça les abîme pas. C'est très doux, c'est très agréable, ça se casse pas. Ensuite, le dernier truc pour les cheveux que j'ai commandé sur Amazon parce que j'ai commencé à me couper les cheveux toute seule, c'est cette paire de ciseaux pour les cheveux. C'est beaucoup plus respectueux du cheveu, je pense que c'est mieux que des ciseaux pour couper du papier. Voilà, je connais pas la marque, c'est Maxilon. Et je les trouve trop beau parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur là où on met les doigts là. J'ai testé qu'une seule marque de ciseaux pour les cheveux, du coup je sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas c'est ceux que j'utilise et que j'utiliserai pendant encore longtemps, je pense. Et quand je dis je me coupe les cheveux, je me fais pas des coiffures de ouf, hein, c'est juste que je me coupe les pointes de temps en temps, je raccourcis un peu devant et c'est tout. Ensuite, la dernière catégorie de produits que j'ai à vous présenter, c'est les produits que j'utilise quand je voyage. Donc en fait c'est très simple, c'est juste des miniatures de tous les produits que j'ai déjà. Ou alors c'est des échantillons, je vais vous les montrer un par un, mais en gros c'est ça. Pour les gels douche, j'aime bien utiliser les miniatures de Bath & Body Works qui sont petits, qui sentent bon, il y en a plein, ça coûte pas cher. Et j'en parlais avec Romain l'autre fois, mais j'essaye aussi d'avoir des gels douches différents pour chaque ville ou chaque pays où je vais. Comme ça, quand je vais ressentir cette odeur là, ça va me rappeler un voyage. Et pour les parfums, j'utilise des miniatures de Victoria's Secret. Celui-là, c'est Emily qui me l'avait offert. Sinon, j'ai aussi des miniatures de parfums Bath & Body Works qui va avec les gels douches. Du coup, c'est la même chose. Voilà, et ça passe en balayage à main parce que c'est moins de 100 ml. Ensuite, pour le visage, quand je voyage, souvent j'ai des miniatures de produits, donc des nettoyants pour le visage et tout. Souvent, j'en ai pas, j'en ai plus parce qu'ils sont périmés. Enfin, quand je les avais ouverts, c'était à l'époque où on pouvait encore voyager, ce qui n'est plus le cas. Faut que je les ai
jeter, mais j'ai quand même 2-3 échantillons de produits que j'ai jamais ouverts pour le moment. Et ça, c'est une mini crème en échantillon. Et je trouve que pour les voyages, c'est bien de garder des échantillons. Comme ça, ça pèse pas lourd et on peut les jeter avant de repartir. Pour les cheveux, je fais pareil. Quand j'ai l'occasion d'en avoir, j'utilise des échantillons de parfum, enfin de parfum, pas du tout, de masque ou de shampoing. Bref, voilà, des échantillons, c'est pas non plus un truc waouh. Et aux États-Unis, pour mon déo, j'avais acheté des miniatures. Je sais pas s'ils en vendent sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous les produits que j'utilise de A à Z, de la tête aux pieds, du soin au maquillage, tout. J'avais pas fait de vidéo beauté depuis 2015 et je pense que j'en referai pas avant 2025. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions si vous en aviez. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire quels sont vos produits préférés, ceux que vous rachetez sans arrêt, que vous adorez utiliser. Partagez-moi aussi vos avis sur les produits que j'utilise si jamais vous utilisez les mêmes que moi. Dites-moi ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui serait mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir que vous l'ayez fait. Si vous avez des choses à dire en commentaire, n'hésitez pas à le faire. J'adore vous parler, j'adore vous répondre. Et ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne semaine. Bisous.